dit qu'une maison en calaboute, hein, c'est pour ridiculiser, attends, les gens qui ont les maisons en location au pays, parfois, ils ont les maisons en calaboute, mais leur maison même, est-ce que c'est calaboute alors? Hein? Tu oses dire que oui, tu comprends pourquoi la dame hein, qui a le bar invite souvent maman Gassa de venir prendre une bière, qu'on préparait à mettre le sur là-dedans. Franchement, franchement, on a pitié de ta mère. On sait que tu ne vaux rien. Rien du tout, fille indigne. Voilà. La stamania de ça. Maman a pu bas. Abe Karese Yanga. Hein, abe Sel Bouti. Abe Tatap Sen. Abe Sissi. Babala. 23 000. 2 plus quoi? 23. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Mettez-moi ça, mes gens. Partagez, non? Hein? Partager, quelle coïncidence, 2 plus quoi, 23. Ouais, je vous avais bien dit que l'Angala, elle a choisi son bon couloir. Voilà, parce que têtu depuis l'enfance, comme maman Pépé. Et à nous, maman Pépé, diamant, ben, diamant, diamant. Diamant, je te dépasse en nombre d'abonnés, parce que depuis que ta page, c'est de combien là, hein, je te dépasse. La visibilité de 2000 personnes là, on appelle ça de la lâcheté. La lâcheté. C'est pas normal. Partagez mes gens. Partagez. Je veux m'exprimer. Il faut que cette petite vermicelle là comprenne derrière sa nuque. Voilà. Elle nie à chaque fois. Elle avait retiré le jazz dans le dos de ma mère. La même insulte que maman Pépé, mais bon, moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Mais en retour, qu'est-ce que j'ai fait? Je les montre comment ma mère, elle est heureuse. Elle est joyeuse. Voilà. Ils ont tout fait. Voilà, pour me toucher. Ouais, ouais. Maman était en prison. Pap, je viens, je prouve le concret. Hein? Rebelote en rebelote. Multiplié en multiplié. Tandis que, hein, les leurs, on ne sait pas là où ils sont. Série d'Antoine Bachot, hein, c'est une femme derrière sa mère qui lui avait rendu comme ça. Sa vie tourne en rond. Ce n'est pas moi qui dis. Ouais. Ce n'est pas moi qui dis. Chantal M, big up, big up, big up. Nikita Fernandez, tu rigoles seulement. J'avais tout dit, frère. J'avais tout dit. Et c'est ce que tu nous démontres là. Tu n'as plus rien à perdre. Ouais, tu n'as plus rien à perdre. Tu viens dire que tu es rancunier. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais là? Les gens que tu avais juré que oui, puis jamais. Mais Daloa, Bonnet, qui bloquait tes pages. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Mandiata. Qui avait dit, ça dit faible derrière, faible en tout. Hein? Franchement, la honte de ça. Tu m'as déjà vu faire ça là, tourbillonner comme ça là, toi-même. Un vet. Papa n'a tourbillonné. Et voilà. Bon, quand tu veux vouloir faire quelque chose, tu veux bien faire les choses qui sont bien, bien, bien. Après un moment, tu as des difficultés devant toi, que tu n'arrives même pas à comprendre. Tu fais aussi des rêves que tu ne comprends pas. Ce que ça signifie. Ouais. Quand l'argent sort aussi, tu dépenses sans se rendre compte. Bon, c'est ce que moi j'ai vu. Si tu as des questions, tu vas poser. Donc ta vie est comme ça. Tu tournes sur place, tu tournes en rond. Comme ça. Donc tu as le bon cœur, tu fais les gens du bien et c'est bon. Quand tu veux donner aux gens, c'est bon. Il y a d'abord quoi? Passer le temps à envoyer l'argent. On te lave le corps même, le corps, pour chasser le mauvais esprit, comme les trucs qu'on t'a fait là.
Maintenant, on te lave aussi le ventre, on te donne le mail. Et tu fais la diarrhée pour laver. Et maintenant, on te lave les trompes. Maintenant, on fait que ton sperme revient bien, parce que ton sperme n'est pas bien. Le sperme doit bien. Bon, quand tu veux vouloir faire quelque chose, tu veux bien faire les choses qui font bien, bien, bien. Après un moment, tu as les difficultés. Tatiana Mimba, big up, big up, big up, big up, big up. Sanguine, Fongan, big up, big up, big up. Quand l'argent sort aussi, tu dépenses. Donc, tu comprends? C'est là. Tu as donc alors commencé à mettre, voilà, hein, ton tigre de rancunier. Voilà, c'est comme ça. Il dit, laisse le fuma-fuma que tu fais là, comme dit son attaquant monsieur là. Priscaline va parler. Elle a mis mon nom, non? Voilà. Tu vas me dire, Priscaline, tu vas venir nous dire cette fabrication là, rien que sur le nom de Dekomamougou. Parce que tu t'étais énervé, Priscaline, je ne prenais pas plus tes coups de fil. Ok? Voilà. Et donc tu es parti vers Bachou pour te faire fabriquer, non? C'était avec le nom de qui? De Dekomamougou. Parce que pour mener la guerre à sa place, tu avais encore que l'actualité, Priscaline. Donc, et quand ça s'était gâté entre vous, quand il a commencé à te réclamer les mêmes choses que ça réclamait à Jessica, ok? Voilà. Qu'est-ce que tu avais fait? Sors ces directs là, Priscaline. Ok? Voilà. C'est lorsque il commence à te dire, tu es seulement allé donner à Nyandom. Donc, Priscaline, sois clair. Et sors-nous le direct. Ok? Quand ça tchakala au noir, et tu viens, tu framponnes. Et tu dis la vérité. Tout ce qui te demandait de faire. Ok? Faut pas venir dire que fabrication. Tu faisais quoi? Moi, je t'ai connu. Je sais que tu es comédienne. J'ai toujours dit, voilà, je t'ai vu chez les six fois et consorts. Mais lui, comme tu dis que je sais, il connaît le dossier. Voilà donc alors, je t'étale ça. Oui, tu avais pris mon numéro dans la bulle des blogueurs, ok, créé par Ducamer, il y avait Flo, il y avait tous ces stars-là. Tu étais venu me voir parce qu'il y avait un souci, un mésentente, voilà. Et après, j'avais remarqué que tu voulais tout papier, voilà, je ne voulais pas. Et peut-être ça te frustrait, qu'est-ce que tu n'as pas fait ici, même avant de te mettre avec Bachou, tu me lynchais tous les jours parce que je ne prenais plus. Donc, tu vas nous, ou alors, sors seulement le direct appel à cassure de votre duo. C'est tout. Ne viens pas seulement mettre mon nom pour rien. Et lui, il va prendre des parties, couper, je ne sais pas, ses citations, frère. C'est ça. Madame la marabout avait fini avec toi. Et c'est vrai, tu tournes en rond. Premier ministre ici, premier ministre, tu jacques les murs partout, partout. Là où on ne te respecte même pas. Je ne sais pas si je peux dire grâce à Dekomamougou ou bien à cause de Dekomamougou. Celle-ci, elle te prononce. Parce que lorsque je te framponne, j'ai dit, elle ne prononce plus ton nom. Tellement je te connais, un pleureur au noir. Tu parles là-bas, là, tu vois, alors que tu m'as envoyé tellement les dossiers de compresseur. Oui, tu ne me disais pas de framponner. Tellement tu es malin. Mais tu m'as envoyé les balles. Et c'est bien après, j'avais compris que tu m'as envoyé tout ça là pour que je boive avec compresseur. Ma bague gauche, ce n'est pas une blague. Mais j'avais déjà tout écouté. Tout. Bacho, quand il partait draguer une femme, ça pourrissait là-bas, là. Tu vas voir, il m'appelle, il me dit, bloque-t-elle. Vous avez vu, vous avez écouté ici. Je t'ai dit, bloque Adèle la justicière. Tu ne comprends pas, tous les jours, Adèle la justicière. Le gars était nerveux dans les vosses. Dès que l'évangile finissait comme ça, là, il m'appelait, boum. Non, ou alors, il m'envoyait d'abord la photo.
Après, m'envoie un message comme boum. Hein? C'est une fidèle. Va lui dire que voilà. J'ai amour. Je regarde la photo et dis que même, je ne connais pas. Et le gars, voilà, son retour. Tu profites seulement tout seul. Je vous avais fait, vous avez tout lu ici. Et écoutez, vous ne connaissez pas. C'est pour ça, quand vous me voyez balata avec certaines personnes, que je titre, je dis, ignore. Bachio, là, c'est un mauvais. Ce qu'il a dit, rancunier, c'est vrai. Regarde même. Tu dis que, pour rien au monde, ce qu'il avait dit à Ducamer. Et comme sa voix, la même période, là, Ducamer était en clash avec moi, il part dans le direct de Ducamer, il met 50 étoiles. Mais Jean, ma bagouche, 50 étoiles, même pas une tasse de café. Vous allez manipuler Ducamer ou alors faire le malin pour me framponner. Et ça prenait toutes les coupures de Ducamer. Ça dit avec des citations. Et c'est la même chose avec Maître Dallois. Il venait pleurer chez moi parce que c'est un gros pleureur. De parler à Maître Dallois. Parce qu'il est fait. Vous voyez comme ça là. Le gars c'est un pleureur. Ouais. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc je ne vais pas m'attarder sur toi. Mais Piscaline va nous sortir cette idée là. Si elle ne veut pas venir dire la vérité. Qu'elle vienne parler. Ok. Parce que tu faisais la jalousie à Maître Kamer. Qu'elle était seulement partie donner à Maître Kamer. Oui. Et je t'avais viré à l'église. Parce que j'avais compris que toi tu étais venu parce que je connaissais, j'étais le seul qui connaissait ton faux profil. Une fois tu avais remarqué que oui, hein, il y avait des femmes, tu es venu avec ton vrai profil. J'ai commencé à lire tes commentaires, Abbe Nièce, Abbe Ceci. Mais dès que la nièce répond donc alors que oui, hein, bonsoir oncle, tu viens me voir derrière que oui, hein, ça me prend pour qui? Tu appelles une personne ma nièce, tu veux que elle dise quoi? Elle devait te dire bonsoir mon oncle. Et toi, tu viens en hippo, tu viens me dire que oui, mon oncle, je peux t'accoucher. C'est un mauvais, il ne vous manque pas. Dernièrement, les gens sont venus me voir comme on venait aussi voir pour vendre bruit que oui. Il a recommencé à m'appeler. Et ce n'est pas le Kongoussa, il a recommencé à m'appeler. Hein? Il essayait un peu de me faire comprendre certaines choses. Il me dit que oui, parfois, on n'arrive pas à se comprendre. Ainsi de suite. Il dit que mais c'est toi qui dis que oui, je ne comprends rien. Alors que toi, tu comprends parce que tu m'as valorisé ici. Tu as fait des sorties ici que le jour que de comment vous va quitter sur la toile, vous allez beaucoup regretter. Tu viens là, tu veux manipuler les gens. Voici le son qui était sorti pour te virer. Avec celui qui est au noir là. Moi quand il tape sec, avec le son à la pile. N'importe quoi. C'est ça. Hein? N'importe quoi. Partagez. Je vais parler à Isaac Camp d'Italie. Vous savez très bien, c'est ici qu'est Raquel Emu. Hein, vous savez très bien, là, ici, elle a eu à traiter Flore, sauvagement et terriblement. Mandiata, sauvagement et terriblement. La seule qu'elle valorisait, c'était Lolo Fouja. Il ne vous manque pas. Laissez, je vais retrouver tout, hein, les vols. On les voit. C'est là où vous allez comprendre qui vous avait affaire. J'ai toujours parlé de ces sorties ici. Parce que la Stamania, si moi-même, je ne pouvais pas faire ça là. Hein? Que ma mère vit, hein, dans une maison en planche, hein. Tu crois, 23 000.
Le mois, et déjà, avait, si c'est 9 mois d'ailleurs, parce que j'ai vu, rêve, elle ne donne pas le chocolat ou ni le fromage. J'ai vu là, je ne sais pas, reconnaissant de dettes et consorts. Mais c'est toi qui es là sur Facebook, yougou, yougou, tu peux mourir, hein, pour ta mère. Voilà, Mangiata. Mangiata, tu, une fois de plus, tu viens mettre ta mère sur un grillage, un grillage. Ça veut dire, tu la baisses encore une fois de plus, ta mère. Ça veut dire, toute la toile sait qu'elle est en manque de matelas. Et nous n'avons pas eu le retour. Et non, mais Julien Sombi, là, je veux parler doucement. Maï qui était pour le moment. Mais si ça me prend, parce que ça me prend souvent comme ça, au fur et à mesure que je pense à certaines choses, ok, je vais boire. Et donc, de un, comme tous ces derniers temps-ci, on ne s'occupe pas de toi. Personne ne te calcule. Voilà. Tu viens là, yougou, 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 yougou. Tu as encore démontré parce que ce qui sort souvent, qui est toujours sorti de ta barbe, c'est que quoi? Valoriser ta grand-mère plus que celle-même qui t'a mise au monde. Voilà. Renier auquel ta mère, qu'elle ne t'a jamais rien fait, que tu n'as pas bossé pour elle, et ainsi de suite. Hein? Tu as tellement framponné ta mère. Et aujourd'hui, même si on dit quoi de ta mère, hein? Qu'est-ce que tu vas venir? Tu viens, pourquoi tu viens pleurer? Tu nous as toujours dit que oui, hein? Elle ne vaut rien. Elle ne te sert à rien. Hein? Maintenant, tu viens faire, on va guider le soul à ta mère. Les femmes qui ont pitié de ta mère parce que elle oua. Ta mère dort. Hein? C'est-à-dire, en contact direct, ok, avec des fourmis magnans au sol. Ça veut dire, même la maison en planche, remplie de charançons et de termites, sais pas. Tu connais le bruit de ça? Je ne sais pas si cette maman-là, hein, d'ici 5 ans, parce que dormir dans une maison en planche, les planches remplies de termites, de charançons, le bruit de ça, avec leur cul là, leur pince là pour ronger les planches. Toute la nuit. Hein? C'est elle au sol. Tu viens comme maigre. Tu ne peux même pas envelopper, ne serait-ce que blanchir là où ta mère vit. Hein? Même mentir que lui. Ou alors ne même pas dire. Ok? Parler seulement de la location. Tu lui as dit que oui. Et en plus, tu crois que tu fais. C'était pour griller les qui? Tu as grillé ta propre mère. Et toi-même, tu t'es grillé. Tout le monde sait que tu ne vaux que dalle. Que dalle. Moi, je vais donc alors te dire. Je suis à l'habitude de dire que nous, les hommes, nous ne pouvons pas. Avec les femmes, ici, au front, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Je dis, nous, les hommes. Ok? Comme on dit souvent que quand nous sommes à l'extérieur, hein, nous formons qu'une seule personne. C'est nous les hommes qui devons même raquer les murs derrière les femmes. Ok? C'est les hommes qui profitent même derrière les femmes. Toi, on peut profiter de quoi? Rien du tout. Combien d'années en bengue en tant qu'une femme propre, propre, hein? Qui sait entretenir son tumbu, qui a ça. Même si tu avais un moukala que ça ne te donne rien. Ça n'envoie pas les cuillots de maquereau à ta mère, mais mon ami Waboui, ça dit tu pas d'or. C'est ça. Beaucoup de femmes se sacrifient. Ouais, je vois là beaucoup à Paris qui n'ont pas, hein, écouté de Kamamou. Quand tu perçois 100, mange 70 avec les gens. Que voilà, garde crainte, on ne sait jamais. Le Seigneur peut te donner longue vie, la nature. Oui, garde crainte. Ok, mais depuis que tu es venu, combien d'années y a le temps que tu perds sur Facebook, tu pouvais crisser. Quand tu quittes l'église, quand il dit bon voilà, tac, tu faisais les directs, tu crissais, tu avais ton dieu. Mais maintenant, l'astamania, j'ai marqué là, l'astamania, on t'utilise depuis, et déjà toi, tu as le public de cuir. Non seulement tu commences à traiter les patrons de cette team-là. Ok? Voilà qui te prête les followers. Après, tes discours, hein? Attends, j'allume le micro.
Voilà tes discours. Un jour comme ça, là. Hein? J'ai le soco, j'ai le soco, j'ai le soco, j'ai le soco. Comme ces gens-là savent que, oui, ils se nourrissent de tes mensonges-là. Ils sont arrivés. Les abeilles, les soi-disant t'es cassé. Vous savez quoi? Voilà ton discours. Maman Pépé ne peut rien me donner. Maf ne peut rien me donner. C'est vous, mes followers, qui allez m'envoyer au tapis rouge à Cannes. C'est depuis ces jours-là que j'avais compris que la stamania de ça. La stamania de ça. Vous êtes comme ça. C'est comme celle de Thérèse Tamale. Si je ne couille pas celle-là, elle aussi va durer dans mauvais rêve que oui, à Twista. Parce que la reine galloise est devenue, oui, elle fabrique. La calacou de ça, la reine galloise sort les yeux en moment. Général, 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 général. Ça va se terminer là sur la toile. Madoukimina. Donc, une fois de plus, tu as démontré, ok, à tout le monde entier que de comment Mougou ne peut pas te mettre parmi les femmes du continent. Tu comprends? Voilà. Vous insultez les Waka. Oui, oui, mais il y a certaines Waka qui n'ont pas vos problèmes. Ok? Tu viens, toi Isaacam, tu dis que tu respectes ta mère. Tu as vu dans quelle tenue, la tenue, ta tenue d'hier là. Tu as vu ça? Tu voulais montrer quoi aux gens? Tu as des seins? Tu as des formes qui vont avec? Non, mais disons, est-ce que, oui, t'es bon ton d'hier que, oui, hein, tu viens mettre ta main sur un grillage là. Et c'est toi qui dis que le blog doit changer. Tu envoies le cachable. Toi aussi comme ça. Toi aussi comme ça. Non, mais attends, attends. Qu'est-ce qui vous prend même souvent? Hein? Parce que vous voyez les sorcières là qui arrivent dans ton direct. Tu dis que toi aussi tu lances le cachable. À qui? À qui? Qui vous connaît? Hein? Zayemina. Hein? Elle m'est lancée me cacham. Qui vous connaît? Qui te connaît? Ces gens-là savent que tu ne vaux rien du tout. Ambingue combien d'années? Combien d'années? Maman manque de matelas. Maman dort. Hein? Entre les planchettes remplies de termites et de charançons. Au sol. En contact direct avec des fourmis magnans. Et c'est toi qui insultes. Tu publies les enfants des gens. Tu publies les maisons des gens. Hein? Tu publies les familles des gens. Et tu viens poser la question. Hein? Que tu as fait quoi au bon Dieu? En bon? En bon? Qui vous avait dit de fuir l'école tôt? Hein? Et de fuir les conseils des parents tôt? Mandiata et toi. Et voilà ton choix, s'il fallait faire un choix. Tu es sûr que beaucoup là sur la toile allaient te dire de choisir maman, si c'est maman Pépé. Non. On appelle ça un mauvais casting. Et d'ailleurs, moi je ne peux même pas appeler ça un mauvais casting parce que tu as suivi. Oui. Tu as trouvé les parents tout. Là où tu réunis ta mère, tu préfères ta grand-mère. Tu dis que ta mère ne t'a rien fait. Tu n'as pas voyagé. Tu n'as pas bousa pour ta mère. En bon. Tu as pensé aux femmes comme Juliette Sombi, les Roses 237. Hein? Tu sais pas les couples. Tu dors dans les maisons. Oui, oui. Dans le lit d'un couple. Tu prends la femme, tu mets à gauche, tu prends l'homme, tu mets à droite, tu te couches au milieu. Tu finis de récupérer et après, Zani, 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 j'ai le socor. Wobelben formateur. Wobelben dit, Wobel tout. Et aujourd'hui, tu oses venir l'ouvrir. Hein? Monsieur me sent. Hein? Mad, il dit que l'Angala, hein,
Elle dit que pourquoi on en veut? Elle a fait quoi au bon Dieu? Vous-même, mes gens, est-ce que c'est elle? Si elle avait au moins cet entourage-là réfléchi, hein, avant de venir poser cette question-là aux gens, on allait lui dire que non. Hein? Regarde d'abord tes remember. Hein? Mégane et Bongé. Big up, big up. Et tu adores mon joli petit prénom là. Je t'ai dit que si tu veux qu'on parte à la mairie, dis-moi. Tu sais que moi, je ne suis pas compliqué, non? Dis-moi. Comme tu es une femme battante, là, on va souvent faire, voilà, les scènes de ménage. Voilà. Les petites balades à la scène. Voilà. On les montre, voilà, comment les couples se comportent. Parce que elle pouvait même arranger la maison de sa grand-mère. Il dit que, mais, Julienne, est-ce qu'elle est donc alors concentrée? Pour elle, arriver à destination, pour elle, elle a réussi. Julien, tu ne sais pas qu'il y en a qui quittent au pays, rien que pour, ça dit pour eux, la réussite, c'est d'arriver en Bengue. C'est tout. Alors que c'est le moment que tu dois donc alors réfléchir 10 000 fois. Hein? Julien, tu es là, tu travailles. Hein? Je suis persuadé que, hein, même la moitié de ton argent, tu ne profites, hein, ne te profites. Moi, ça c'est une vérité. Je connais les femmes. Dans les familles, les femmes, si les femmes gardaient tout leur argent que ça work ici là, mais mon ami, qui peut parler à une femme? Isaac Kamela, hein, ben c'est un boutique. Donc les pubs là, c'est vrai, c'est que Ducamel disait souvent qu'il faut d'abord travailler des années pour qu'on commence à te donner 20. Ouais. Tandis que Maman Gassa était là-bas. Maman Gassa était là-bas là quand ça voyait les directs d'Isaac Kam, les pubs de ça. Maman Gassa savait que oui, elle aussi elle va manger les arrêts de vous. Hein? Les sissis. Bref, c'est qu'elle aime bien. Mais, hein, petite soeur, tu vas lire, les gens qui sont là, yugu, 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 il faut laisser comme ça, non. Il faut nous langaou là. C'est une vérité. Tu es méchante, méchante. Ça, c'est une vérité. Tu ne comprends rien. La lionne a dit. Si la famille de Lolo était méchante, bon, tu comme ça là, ça pouvait. Tu viens là, yugu, 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 yugu. Qu'est-ce qu'elle te veut? Tu sais ce que tu avais fait à la lionne? Hein? Dorcas vous a mis ça au côté, l'aide propre. Et Maître Dalois. Va aussi devenir, voilà, la chèvre de Dorcas. La honte de ça. Les gens qui sont toujours prêts. Oui. Prêts. Anouama Dorcas, tu les as eus. Ils étaient déjà là. Ils attendaient. Même la mère d'Aloua. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle parlait même de ces Guta Jambounou là. Hein? Elle est là. Elle profite. Elle veut profiter de tout. Pour atteindre sa cible, les chèvres comme ça là, mes gens, tu n'as jamais vu. Heureusement que ce n'est pas toi qui m'avais nommé premier ministre. Voilà, il n'y a que deux stars, hein, Ngwana Douala, big up, big up, deux stars, Veuve Joyeuse et Lolo Fodja. Ma dernière nomination, c'est maréchal. Lolo Fodja avait dit qu'il est bureau là, que président, ok, viens mettre la tenue, tu es un bon protecteur. Vous êtes là. Lorraine, vous, big up, big up, big up. Hein, les pleurs de ça. Mboum Kena est déjà, hein, chez Van Bruy, là-bas, la honte. Hein, vos bagages sont où?
Hein? Vambrouille, je vais te. Vambrouille, je vais te publier. Hein? Je te connais. Oh, 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 la honte de ça, les soutiens bizarres, bizarres. Ouais. Le Evo, tu vois maintenant, apparemment, l'artiste de Facebook, elle a aussi le micro. Je vois, il y a là-haut, oh, oh, elle dit, vous voyez, non, la voix sonne. L'église travaille. Hein. Le micro. Nous attendons maintenant la prochaine, je ne sais pas, prestation. Là, alors, comme je sais que ça va rater. Vous allez voir, la prochaine fois qu'elle ira chanter, même si c'est en playback, ça va rater. C'est une mauvaise, hein, quand vous voyez celle-là. Hein? Quand elle est devant les gens, elle est comme ça, là, obéissante. Il ne faut manquer pas mes gens. La même chose que l'étoile tribune faisait à Dougoutiri, toucher. La même chose, elle a fait ça là-bas, à l'émission avec moi. Voilà, en insultant son Dougoutiri qu'il est villageois. Donc toi, Isaacam, tu es vaincu. Ouais. Je dis, tu es une fille, tu as dit indigne, je te manque pas. Salis ta mère à ce point-là, 23 000 fois 9. S'il te plaît, il faut compter ça. Tu donnes aux gens de pluie. Apparemment, mes gens, ce n'est pas moi qui dis. Hein. Vous savez que je suis un peu occupé en ce moment. Ce n'est pas moi qui dis. Apparemment, on a filmé Maman Gassa, vue de face et vue de derrière, avec, vous connaissez les Sambanjo de Sifara, non? Ouais. Les mamans des gens, à cause d'une fille bête. Ouais. Tu vas voir, tu vas Lille, tu viens là, yougou, 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 il faut que la toile change. Ah bon? Regarde ta tenue. Regarde. Tu veux montrer quoi aux gens depuis, tu ne peux plus faire un direct sans ouvrir les boutons. Hein? Tu as une belle poitrine? Non. Tu as des belles formes? Non. Tu as un beau visage? Non. Tout est macabre. Et c'est tellement macabre, tu es tout ce qui est bleu, sauf heureux. Parce que tu crois peut-être que Otoya, tu vas aller marcher au tapis rouge à Cannes. Alors que Mafou n'a jamais dit à ses abeilles de contribuer pour qu'elles partent marcher à Cannes au tapis rouge. Ni aucune blogueuse là. Toi à peine venu. Sale. Sale. Tu t'exprimes, les mouches viennent se déposer pour faire le chercher le mot là où l'odeur. Comment? Oui, c'est comme ça, les mouches. Ça vient d'abord, ça se dépose, oui, pour renifier là où l'odeur. Tout sortait du bas. L'odeur. La preuve, tu ne vas pas me dire le contraire. Tu avais demandé à tout le monde de m'appeler pour me montrer les ovules. Oui, oui. Tu dis que de comment on vous regarde, on appelle ça les ovules. Comme si, au lieu que c'est moi qui t'apprenne, ok, ça sert à quoi les ovules? Toi, tu viens me dire que oui, je lave déjà mon tote avec les ovules, on peut y aller me lécher. Voilà. Tu veux même y a doublé tes patronats. C'est ça. La Starmania. Regarde, te reste à malin. Elle est là partout, on insulte. Elle parle déjà doucement au noir. Au noir. Faut regarder Thérèse Amalou. Elle est vaincue. Hein? Je ne sais pas si elle avait d'abord parlé avec Dorcas, parce que Dorcas, mes gens, mes Kalga et Dorcas, hein? Aïe, aïe, aïe. Dorcas elle-même, je veux mettre parmi les vieux serpents bois. C'est-à-dire Dorcas a lancé le maïs. Hein? Celle de Thérèse Tamani est venue avec une histoire d'argent. Comme celle à la veuglette, elle des pigeons.
Les gens ont commencé à mettre la loi, ont commencé à dire les prêts d'argent, les prêts d'argent. Et on peut être rapide comme ça là. C'est comme ça même dans l'histoire des Amout. Elle était vite sortie, avec gros nez. Elle sortait souvent, ça dit, boum, qu'elle apporte le maillot, il est des cœurs. Non, vous-même, quand vous voyez une jeune fille, regardez, regardez la poitrine. Hein? Non, mais disons-nous un peu de vérité. On dit souvent que oui, hein? on veut imiter les autres. Est-ce que tu as donc alors le matériel qu'il faut? Tu as le corps qu'il faut? Boum, Kena, même son truc noir là. Hein? Vous appelez ça comment? Lorette, ma belle. Aucune finesse, rien du aucune finesse. Il faut donc alors voir les deux planchettes qui sont sur la poitrine en forme de sein. Ma belle. Ouais, Boum Kena est dérangée dans la tête. Patou et Bonga, big up, big up. Elle est dérangée dans la tête. Il dit que vous ne savez même pas. Parfois, elle vous a souvent annoncé la couleur qu'elle a beaucoup voir à la traversée. Oui, c'est même peut-être que pour ça, elle ne veut pas se concentrer et parler de son histoire de Bouza. Regardez son derrière. Hein? Est-ce que son derrière a le beurre? C'est dur comme le couillon de dinde. Dur. Aucune poche là sur les côtés. Elle n'en a pas. Aucun beurre. Les deux genoux hein, ne sont pas au même niveau. Ça dit, elle a des pieds à revoir. Des pieds plats. Tout sale. Même quand le filtre trahit, nous voyons très bien. Le voleur de poule a tellement chicoté, tabassé. Mais mes gens, ce n'est pas le Kobusa. Je suis la première personne qui appelle. Lorsque le voleur de poule appelle dans nos cubules de l'église. J'avais dit oui, c'est Van Bruyck. J'ai appelé Van Bruyck, mais pourquoi tu mets les watts dans le clip? Il me dit que non, ce n'est pas moi. C'est là où je n'ai pas regardé. Je vois que c'est Isaac Am qui avait appelé. Le gars était nerveux. Bella, bella, big up, big up. Le gars était nerveux, nerveux. Nerveux. Ouais. La Starmania. Elle a préféré venir nous narguer que oui, elle a eu ses papiers. Au lieu de commencer à faire les directs en empruntant le chemin de Pôle emploi. Non. Le matin, quand elle peut accompagner l'enfant à l'école, elle aboie pour annoncer le direct, le socor et les vies des gens. Ouais. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Isaac Camp laisse ce que les autres ont utilisé. Au fur et à mesure que ces gens-là vont se comporter comme ça avec toi, tu vas passer tout ton temps à te salir. Oui, je te dis ça. Tu te salis tous les jours. Tu ne peux pas faire un direct. Tout le monde voit. Donc, comme Amougou dit, avant de venir se placer devant le direct, mets-toi d'abord. Range, voilà, mets-toi bien. Ce n'est pas en plein live. Tu arrives, tu viens, allez, hein? Vous-même, toi-même, c'est toi qui devais mettre les pareilles tenues. Est-ce que tu as des seins? Tu as des seins? Non. Tu es qui pour t'habiller comme ça là? C'est une façon de te vendre, hein, pour recevoir les coups de fil en e-box. L'homme-même, que ta poitrine la excite. Il y a quoi? Il n'y a que les bachots. Oui. Ça n'excite personne. Arrête de t'habiller comme ça. Arrête de te déboutonner pour montrer ce que tu as, hein, ce qui est posé sur ta poitrine. Tu n'as pas cette morphologie-là. Ok? Porte les cabas. Ou alors, bande de chini. Et c'est comme ça, je suis persuadé que si un jour tu as de l'argent, tu risqueras aussi d'empêter le chemin de la Tunisie.
Oui, lâche ta manière de ça. Tu refuses d'aller à Pôle emploi ou alors de faire des classes. Parce que pour toi, tu es star. 1 000 personnes te regardent quand tu es en direct et ça empêche que, ça empêchait que, hein, les aïeux de 22 plus quoi, 23 fois 9 de loyer et à Douala. Je ne pouvais jamais imaginer mes gens qu'il existait encore les loyers.